Encore la chaîne de français de tous les jours. Aujourd'hui, c'est notre leçon 15. La leçon 15, la page 42. Aujourd'hui, nous allons apprendre les vocabulaires sur les animaux. Les animaux. Un animal. Un animal. Ou les bêtes. Hein? Une bête. Les bêtes. Et donc, une canonvat. Et il était une fois une île. Hein? Une île. Au milieu d'une mer toute bleue, hein, toute bleue, thì ở ngày xưa, hein, il était une fois ngày xưa, une île trên một cái, une île hòn đảo, trên một hòn đảo, au milieu d'une mer, ở giữa một cái biển, hein, au milieu d'une mer toute bleue, ở giữa một cái biển xanh ngắt có nghĩa là hoàn toàn là màu màu xanh không, tout, để bổ nghĩa cho cái chữ bleu. Sur la côte de l'île ở cạnh có nghĩa là ở phần bìa phần mép đó ở mép đảo đó ở ngoài ngoài bờ đó sur la côte de l'île ở ngoài bờ bờ đảo thì au bord de la mer ở bờ biển au bord de cái mép giữa giữa đất liền và nước au bord de, ở ngay cái mép la côte sur la côte de l'île au bord de la mer đi ra về để mong tái đó thì đã đây chúng ta nhìn thấy nó có núi Iliave kể lại mà sự việc kể lại imparfait Iliave des montagnes avec des sources fraîches avec des sources fraîches thì có cả nước ngọt nữa nó avec des sources fraîches source là cái nguồn nguồn fresh tươi fresh et au milieu des montagnes ở giữa giữa núi đó dans une vallée ở đang trong một cái thung lũng ở Dune Valley đi về une rivière nó từng có một cái dòng sông ở comme ici là une rivière et l'eau de cette rivière était très claire l'eau de cette rivière était très très claire nước ở trong cái sông này thì rất là trong xanh très claire on voyait người ta có thể nhìn được on voyait người ta có thể nhìn được đấy au fond nhìn xuống cả cái đáy của nó luôn au fond et des pierres rouges đá thì màu đỏ những cái viên ou blanche những viên đá màu trắng những cái viên đá màu đỏ màu trắng c'est tout ce qu'il y avait đó là tất cả những gì đã xuất hiện đã có c'est tout ce qu'il y avait c'est tout ce qu'il y avait et rien d'autre không có gì thứ khác cả chỉ có bấy nhiêu đó thôi rien rien d'autre Et personne n'habitait dans cette île. Không có ai sống, không ai từng sống trên đảo này cả. Habiter, verbe habiter. Personne n'habitait dans cette île. Ok, maintenant c'est notre dictée comme d'habitude. De plus en plus qu'on avance, de plus qu'on maîtrise notre vocabulaire. L'importance, c'est le vocabulaire, nouveau terme tous les jours. Et c'est tellement important d'avoir un riche. Riche source, une riche source de français pour que vous puissiez d'abord pour travailler sur votre compréhension. Et après la compréhension, c'est l'expression. Tức là trước tiên là cần phải hiểu trước. Phải hiểu luôn luôn, phải có đủ từ vựng để hiểu. Khi đã hiểu rồi thì sẽ là tới expression là có thể là mình diễn đạt được. Il était, donc maintenant on va commencer notre dictée. Il l'était une fois. Il était une fois une île. Il était une fois une île, virgule, au milieu d'une mer toute bleue. Au milieu d'une mer toute bleue. Il était une fois une île, au milieu d'une mer toute bleue. Sur la côte de l'île, virgule, au bord de la mer, virgule. Il y avait des montagnes avec des eaux fraîches, etc. Okay? Sur la côte de l'île, virgule. Sur la côte de l'île, virgule. Au bord de la mer. Au bord de la mer, virgule. Il y avait des montagnes. Il y avait des montagnes. Avec des sources fraîches. Avec des sources fraîches. Sur la côte de l'île,
Au bord de la mer, il y avait des montagnes avec des sources fraîches. Et au milieu des montagnes, et maintenant, et au milieu des montagnes, virgule, dans une vallée, virgule, il y avait une rivière. Il y avait une rivière. Point. Bon, maintenant, et au milieu des montagnes, dans une vallée, il y avait une rivière. Point. L'eau de cette rivière était très claire. L'eau de cette rivière était très claire. Deux points. On voyait, virgule, au fond, virgule, des pierres rouges ou blanches. L'eau de cette rivière était très claire, deux points. On voyait, virgule, au fond, virgule, des pierres rouges ou blanches. Des pierres rouges ou blanches. Point. C'est tout ce qu'il y avait. C'est tout ce qu'il y avait. Virgule. Et rien d'autre. Et rien d'autre. Point. C'est tout ce qu'il y avait. Et rien d'autre. Point. Personne n'habitait dans cette île. Personne n'habitait dans cette île. Personne. Bon, maintenant, c'est notre deuxième partie. L'histoire continue avec les animaux sur cette île. Bon, maintenant, écoutez. Alors, le bon Dieu a mis dans l'île quelques bêtes. Thì ngày đó thì Đấng Thượng Đế, ông trời, Thiên Chúa, Đấng Thượng Đế, le bon Dieu, a mis dans l'île, đã đặt vào trong cái đảo này quelques bêtes, một vài con vật, đã gửi đến hòn đảo này một vài quelques bêtes, một vài con vật. Pour la grande pluie, để làm cho đảo, la remplacer l'île, là c'est pour remplacer l'île, để làm cho l'île plus gay, vui vẻ hơn, làm cho hòn đảo này vui tươi hơn. Un nain gris, một con lừa màu xám, un cochon rose, một con heo màu hồng, une chèvre, con dê, à long poids, có lông dài, poids chỉ dành cho động vật mà thôi, poil, une chèvre, dê, lông dài. Une vache brune, con bò, màu nâu. Et puis, une poule, celle-ci, là, celle-ci. Ok, une poule, con gà mái, avec des plumes blanches, có những cái bộ lông màu trắng. Et un coq, con gà trống, ok, la poule, le coq. De toutes les couleurs, gà trống thì có đủ màu sắc hết trơn. De toutes les couleurs, đủ màu sắc hết. Đấy, chúng ta đã học trước ở trên này là tout clair, tout bleu, hoàn toàn, tức chữ tout này để nhấn mạnh cái ý danh từ và phía sau, cái tính chất ở phía sau luôn, tính chất gì đó. Puis un autre jour, một ngày khác, le bon Dieu, le, thì thành ra là le Dieu, hoặc le bon Dieu thông thường là đấng tạo hóa tốt lành, nhân lành, thì chúng ta để chữ nhân lành ở đây, chữ bon. Anh nói từ một ngày khác là đấng tạo hóa il a mis aussi un serpent, ngài là để một con rắn, un serpent, et deux insectes, và có cả đây insect, có cả những cái con côn trùng là insect, a moustique, một con muỗi, a moustique, et puis une mouche, và một con ruồi, une mouche, ruồi. À, moustique, con muỗi và một con ruồi. Que le bon Dieu était content de voir l'île pleine de vie. Maintenant.
Et l'amour comme temps, une phrase d'exclamation, que le bon Dieu était content, lui, il était content. Content de quoi? De voir qui gagne, thấy cái đảo này plein de vie, tràn đầy sức sống, plein de vie, hoàn toàn rất là nhiều sức sống tràn trề, plein là nhiều, đó, tràn ra luôn. Maintenant, bây giờ, anh bây giờ nghe thấy cái đảo này tràn đầy sức sống, nên ngài rất là thấy content, rất là hài lòng. Bon, maintenant, nous procédons à notre dictée, à notre deuxième dictée. Voyons, soyons prêts, hein, soyons prêts, chúng ta hãy sẵn sàng, là, soyons prêts. Alors, votre stylo et votre feuille blanche, comme d'habitude. Alors, écoutez bien. Alors, virgule, le bon Dieu a mis dans l'île quelques bêtes, virgule. Alors, le bon Dieu a mis dans l'île quelques bêtes, virgule, pour la rendre plus gaie. Pour la rendre plus gaie. Deux points. Un âne rit. Un âne rit, virgule. Un cochon rose, virgule. Une chèvre à long poil. Une chèvre à long poil. À long poil, au pluriel, bien sûr, virgule. Une vache brune, virgule. Une vache brune, virgule. Une poule avec des plumes blanches. Une poule avec des plumes blanches. Et un coq de toutes les couleurs. Point. Et un coq de toutes les couleurs. Point. Alors, le bon Dieu a mis dans l'île quelques bêtes pour la rendre plus gaie. Deux points. Un âne rit, un cochon rose, une chèvre à long poil, une vache brune, une poule avec des plumes blanches et un coq de toutes les couleurs. Point. Puis, virgule, un autre jour, virgule, puis un autre jour, il a mis aussi un serpent et deux insectes, deux points. Il a mis aussi un serpent et deux insectes, deux points. Un moustique et une mouche. Un moustique et une mouche, point. Que le bon Dieu était content de voir l'île pleine de vie maintenant. Que le bon Dieu était content de voir l'île pleine de vie maintenant. Puis un autre jour, il a mis aussi un serpent et deux insectes, un moustique et une mouche. Que le bon Dieu était content de voir l'île pleine de vie maintenant. C'est la fin de notre deuxième dictée. Maintenant, c'est la troisième peut-être, mais avant de le faire, qu'on va analyser le contenu de notre cours. Mais un jour, một ngày kia, mais un jour, một ngày nọ, la poule a mangé la mouche, thì cái con gà mái này nó đã ăn mất tiêu cái con ruồi rồi. Nó nuốt luôn, nó mổ nuốt luôn. Et le serpent a mordu le cochon. Ây da, và cái con rắn này, nó đã cắn cái con heo một cái. Mọt là vẹp và mordre, đây, nó cắn, thấy giống như trong hình này. Mordu le cochon, nó cắn cái này một cái. Et puis la chèvre, đấy, cái con dê đó, la chèvre, a donné un coup de corne, húc một cái, lấy cái sừng của nó, a donné un coup de corne, un coup de corne, là corne, húc lấy cái hụt sừng, nó húc cái con lằn, húc con lừa, cái con dê đây được húc cái con lừa một cái,
Et enfin, cuối cùng thì sao? Le moustique, cái con muỗi, le moustique a piqué, le verre a piqué, à, le verre piqué. Tức là nó đã châm chích tous les animaux, muỗi nó đi chích tất cả, nó hút máu, nó sống cơ mà. Et depuis ce jour-là, kể từ cái ngày đó, depuis, à partir de cette date, ngay từ cái ngày đấy, chacun de, mỗi con, chacun mỗi con trong chúng nó, de, là chúng nó, thì mỗi con trong chúng nó, et l'ennemi, l'ennemi chính là kẻ thù, chính kẻ thù, những thứ không đội trời chúng nó, nói chung là phải phải đánh nhau đấy, l'ennemi, kẻ thù, et l'ennemi, des autres, chacun, autre, đấy, mỗi một cái có cái desot, có nghĩa là mỗi một cái thì là đều suy nghĩ ngược lại cho những người còn lại, tức là mỗi một người đều là kẻ thù của những người còn lại. Bon, maintenant c'est la fin, ok? Et donc notre dictée pour terminer notre cours d'aujourd'hui, la troisième. Attention, on va commencer. Mais un jour, la poule à manger la mouche, mais un jour la poule a mangé la mouche, virgule, et le serpent a mordu le cochon, et le serpent a mordu le cochon, mais un jour la poule a mangé la mouche et le serpent a mordu le cochon. Et la chèvre a donné un coup de corne à l'âne. La chèvre a donné un coup de corne à l'âne. Point. Enfin, virgule. Le moustique a piqué tous les animaux. Le moustique a piqué tous les animaux. Point d'exclamation. Et depuis ce jour-là, virgule, chacun d'eux est l'ennemi des autres. Et depuis ce jour-là, chacun d'eux est l'ennemi des autres. Point. Mais un jour, la poule a mangé la mouche et le serpent a mordu le cochon. Et la chèvre a donné un coup de corne à l'âne. Et enfin, le moustique a piqué tous les animaux. Et depuis ce jour-là, chacun d'eux est l'ennemi des autres. Voilà, c'est la fin de notre premier cours sur la leçon 15, hein, les vocabulaires sur les animaux. Merci d'avoir me suivi jusqu'à maintenant. On se dit au revoir et le rendez-vous sur le prochain cours.